L'historienne Hélène Vézian parlait de Saint-Genier comme d'une vallée suspendue entre terre et ciel. Ici se dresse le rocher de Dromont, au pied duquel s'agrippe la chapelle. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le 16 et 17 septembre dernier, la chapelle de Dromont et sa crypte étaient exceptionnellement ouvertes, drainant plus d'une centaine de visiteurs provenant de toute la France et de l'étranger. Là, quand on a vu que c'était ouvert, donc on s'est dit qu'il faut qu'on trouve un moyen d'y venir. Donc on a fait 600 km pour venir et on est content. Mais pour moi, Saint-Genier, c'est les montagnes, c'est la campagne, c'est les bruits. Cette chapelle, c'est Saint-Genier. C'est son histoire, c'est son passé, c'est la magie du lieu dont elle fait partie, dont Dromont fait partie. La chapelle de Dromont date du XVIIe siècle. On raconte qu'elle aurait été construite suite à la découverte de la crypte par un jeune berger en 1656. Concernant ses origines, cette crypte demeure entourée de mystères. Il s'agirait d'un site pré-chrétien qui, selon la légende, aurait été dédié au culte de la fertilité. Les symboles ornant les colonnes l'attestent, tels que le paon, les épis de blé ou la tête de bélier, et tout comme cette roche à la forme arrondie, surnommée la pierre de fertilité. Ainsi, la chapelle et avant elle, la crypte de Dromont, sont des lieux de pèlerinage, s'inscrivant dans une tradition qui remonterait à la nuit des temps. Toutes les années, ils faisaient un pèlerinage à la chapelle et il y avait des cars qui venaient porter les pèlerins. Pour nous, c'était vraiment une attraction parce qu'on voyait très peu de monde. On voyait très peu de monde à l'époque. Hein. Mais si maintenant on a beaucoup de monde, avant, on restait des fois un mois ou deux sans voir une voiture ici. Hein. L'événement était organisé par Arpage, une association pour la rénovation du patrimoine génésien. D'autres événements se déroulèrent pendant le week-end. Au total, plus de 300 personnes sont venues à Saint-Genier.